Moi, je comprends. Il est le premier responsable du ministère de la compassion des âmes. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcière. Je l'entends cette nuit. La gloire, Yeshua et Mashiach, merci pour ta présence. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Tu dis là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens parmi eux. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous croyons déjà nos délivrances, nous croyons nos guérisons. Voyons notre restauration. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu fais encore dans nos vies. Éternel notre Dieu, je m'abandonne entre les creux de ta main. J'ai choix. Utilise-moi et fais-moi du bien. Oui, afin que la gloire puisse te revenir. Parce que tu es tout puissant. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Nous croyons tellement en toi, Jésus. Nos regards sont fixés sur toi. Et merci. Merci encore. Au nom de Jésus. Et je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je n'ai pas tendu la main. Nous sommes suivis par 162 pays dans le monde. Sur la chaîne YouTube. J'en profite pour dire saluer la chaîne la télévision de l'île de la Réunion. Il y a encore une autre chaîne à Washington qui diffuse notre émission en direct sur des chaînes de télévision. Mais en même temps, nous sommes suivis par 162 pays dans le monde. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes à Péniel. Péniel qui symbolise la présence de Dieu. Là où Dieu réside. Là où Dieu. Et c'est pour cela que vous avez tout à l'heure entendu des témoignages à la gloire de notre Dieu. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant. Amen. Il est encore le même. Alléluia. Amen. C'est que nous sommes à une retraite spirituelle. Le thème, c'est l'autorité et la puissance, le pouvoir du chrétien. Je vais vous enseigner beaucoup de choses ce matin. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose en vous. Quand il ne va plus s'amuser avec vous, il vous détenir un pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on exerce son autorité. Vous allez parler aux démons, vous allez parler aux mystiques, vous allez même ordonner des choses et les choses vont venir. Parce que vous avez le pouvoir. On dit amen. Amen. Venez, mamie, viens. Oui. Voici une dame qui était chassée de son village à cause de la sorcellerie. Amen. Et Jésus-Christ l'a délivrée. Voici ce que Jésus peut faire. Bien, amen. Alléluia, il y a trois personnes de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous ne prenons pas les sorciers comme on le fait au Cameroun. Au Cameroun. C'est les images des frères camerounais qui m'ont envoyé des images qui m'ont choqué personnellement. Des personnes accusées de sorcellerie qui les gens ont brûlées. Si nous délivrons les sorciers, amen. Nous chassons les démons. Cette vieille, elle a détruit la vie de ses enfants. Elle est passée aux aveux ici. Et devant tout le monde, ces démons ont été chassés. Je l'ai dit devant tout le monde, j'ai dit ça partout, je passe. Dans les émissions radio et télé, nous avons un seul endroit, c'est Péniel ici à Zarago, où qu'un sorcier vient et délivré de son esprit. C'est eux-mêmes sont victimes. Et si nous présentons la sorcellerie comme une maladie, ça vous.
Une mère est poussée à manger son fils. Oh, mais sa fille est détruite. Et quand vous écoutez les aveux des sorciers, vous comprenez que eux-mêmes ont été initiés. Il a suffi d'une nuit seulement de les bichons. Ils ont pu les aider. Ici nous aidons les sorciers. Nous avons notre manière de les voir. Comme les personnes victimes, ils ont besoin d'être délivrés. Ici, quand tu es délivré, qu'on chasse mon démon, tu fais discernement. Devant Dieu, il a pu retourner à la sorcellerie. Et quand on verse lui ici, toi, quand tu retournes, tu meurs. C'est ici à venir. Amen. Nous délivrons les sorciers. Imagine un sorcier est un danger pour sa propre famille, et pour son village et pour sa nation. C'est un mangeur d'art. Quelqu'un qui s'alimente, qui se nourrit que de la chair humaine, c'est un danger. Vous avez vu que la dernière fois, ici dans les aveux, il y avait une jeune fille qui voulait faire un enfant là-bas. Mais quand tu fais un enfant, tu le nourris. Donc il mange quoi? Un steak tous les matins. À la base, la chair humaine. Amen. Amen. Et nous sommes en train de délivrer cette fille. Amen. Voilà, je vais te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour la puissance? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu crois ton miracle? Je n'ai pas bien saisi ce qu'il a dit. Et non, nous, c'est une fois comme miracle. J'ai dit à ce monsieur son pied. Il y a un mec qu'on a encore. Ici, un mois, ça va finir. Mais là, je trouve qu'on est bien. Ok, ici, c'est le garage. Merci, le garage. C'est bien. Et dans le genou ici, on peut le diminuer. Le blanc, le blanc. Mais là, d'ici un mois, c'est fini. Mais les gars, je trouve qu'on est bien. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Mais comment vous sentez que ça descend? Oui, ça descend. Quand descend, après descend. Il s'est là qui marchait, ça marche. D'accord. Donc vous sentez les signes de guérison. D'accord. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne. Cette montagne se dépassera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit. Dieu le dit ce matin, la voie s'est dépassée. Par l'esprit, le chant est trop prophétique. Sous quel monde tu as des difficultés, et comment c'est le cas? Je crois que cette nuit, et quelque chose se produira. Et dans la nous Amen. Amen. Alors, chante avec moi ce cantique. Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Et par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. C'est content. C'est demain.
ce qui pour toi, la montagne va disparaître de ta vie, mais c'est encore des difficultés. Je ne vais pas faire cette souffrance, les montagnes te dresser, et t'empêche de entrer dans ta destinée, et empêche d'aller de l'avant. Ils ont fait cette déclaration de soi avec moi, en sortant ce grand disque. Demandez-vous de recevoir. Oui, c'est différent. Et
dit que dans la détresse, ça dit que dans la détresse, tu cries, tu cries ou dis secours. Il y a une personne qui a été visitée par un braqueur ou un voleur. Dans une maison, ça va dépendre de ta manière de prier. Si tu ne cries pas bien, tu n'auras jamais le secours des voisins. C'est comme ça aujourd'hui, tout à l'heure. Tu vas parler, tu vas crier, tu vas invoquer le nom de Yahweh, le nom de Dieu d'Israël. Il faut qu'il vienne cette nuit. Qu'il vienne cette nuit dans ta vie afin de déplacer la montagne. Donc, tu veux, que la montagne soit déplacée. Tu veux avoir les... Oui, il faut que Dieu déplace cette montagne. L'esprit de pauvreté de l'âme, de la stérilité, de l'emboutissement, de l'instabilité, de la mort. Et que ces esprits qui t'habillent, ces démons qui t'ont accompagné jusqu'à ici, ces esprits qui t'empêchent d'émerger, d'aller de la mort. Et tu vas parler toutes les formes de ta manière. Il faut commencer. C'est tout. Il faut. Lève les mains. Dieu est zéro. Amen. Dieu est zéro. Je vais te voir prier comme tu n'as jamais fait. Oui, la mienne. Invoquer l'éternel comme tu n'as jamais fait. Je vais voir la... Amen. Amen. Je ne vais même pas qu'on ferme les yeux. Et il va prier. Je ne ferme même pas les yeux. Je vais te faire les yeux. Il prie. Il est éternel. Il est au secours. Voici mes difficultés. Viens, j'espère en toi. Et donc, je vais te voir dans les marchés et parler à Dieu. Et les années, les prions encore le Seigneur.
Dieu va descendre. Puisque tu lèves au cœur. Et là, moi, il va descendre. Il va descendre pour te libérer. Il va descendre pour te guérir. Il va descendre pour te restaurer. Là où tu es arrêté. Là où tu es arrêté. Puisque tu as invoqué son nom. Quelque chose se produit dans ton corps. Quelque chose se passe. Quelque chose en train de se passer dans ton corps. Quelque chose se passe. Depuis ta tête. Les esprits de la pauvreté, les esprits du célibat, les esprits du chômage, les esprits de la maladie, les esprits de mort, de la sorcellerie, maintenant même, pendant que tes mains sont levées, la présence de Dieu, la puissance de Dieu me touche, elle te touche là où tu as été, elle te touche là où tu as été, elle te touche là où tu as été. Quelque chose se passe. Quelque chose en train de se passer dans la vie du Seigneur. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Elle est ton Dieu. Elle a décidé de te libérer. Ce jour-ci. Regarde, quelque chose en train de se passer dans ta vie. La puissance de Dieu en train de te toucher. Là où tu as arrêté, quelque chose se produit dans ton corps. Quelque chose en train de se passer. La puissance. La stérilité au nom de Jésus-Christ. Voici la puissance de Dieu. Elle descend jusqu'à toi. Elle te fait du bien maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois ta délivrance. Là où tu as été. Quelque chose se produit. Quelque chose se passe. Dans ton corps. Quelque chose en train de se passer. Dans ta vie. Dans ta vie. Quelque chose se produit. Là où tu as été. Il sort. La force de Dieu, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes de l'esclavage, de la servitude, au nom de Jésus, je brise les chaînes, je brise les chaînes, là où tu as été, l'esprit te saisit, les chaînes ont commencé à se briser, les chaînes ont commencé à se briser, sœur, reçois ta délivrance, au nom de Jésus, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Elle te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Là où tu as été. Une action spéciale de l'Esprit de Dieu. Les chaînes ont commencé à se briser. Tu te déconnectes du monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Je te déconnecte de la pauvreté. Je te déconnecte de l'instabilité. Je te déconnecte de ce Seigneur, l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as arrêté la puissance de Dieu. Quelque chose se produit dans ta vie. Quelque chose en train de se passer dans ta vie. Quelque chose se produit dans ta vie. Quelque chose se passe. Oui, un miracle de Jésus. Jésus-Christ. En train de te délivrer maintenant. La force de Dieu. La vérité c'est quoi? Oui, Seigneur. Il y a des personnes qui t'ont décidé de libérer ce matin. Il y a des personnes qui t'ont décidé de délivrer. Oui, Seigneur. Envoie l'esprit. Ton esprit maintenant. Ton esprit, si cette personne. Et que les chaînes soient en train de briser, les chaînes de la servitude brisées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci la puissance de Dieu. Je te descends jusqu'à toi. Oui, Dieu a décidé de te libérer. Dieu a décidé de te libérer. La puissance de Jésus-Christ a décidé de te libérer. Je te prends de l'esprit. Les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes,
au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Je te déconnecte avec le monde, les ténèbres, avec la pauvreté, l'esprit de mort, du célibat, la stérilité, de la pauvreté, de la malédiction. Un vent dans les soufflets, le vent de l'esprit souffle sur toi, de la vulgarité, le vent souffle, vous balayez tout ce qui n'est pas. Et dessiné par Dieu en la vie, la porte de l'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi pour te délivrer. Les forces de Dieu te saisissent. La puissance de Dieu vient jusqu'à te délivrer. La puissance de Dieu te libère maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance de Dieu. La force de Dieu, si tu veux, la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit va vous pousser jusqu'à ici, vous allez jusqu'à moi, la puissance de Dieu, je vais jusqu'à moi ici. Reçois ton miracle.
Quelque chose en train de se produire dans ta vie. Tu es en train de changer ton histoire. Tu es en train de changer ton histoire. Tu es en train de changer ton identité. Quelque chose en train de se passer dans l'esprit. Dieu a donné délier ton art. Tu es en train de libérer ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits qu'il a envoyés dans ta vie sont en train de partir. Dans le nom de Jésus. Ces esprits qu'il a envoyés dans ta vie sont en train de disparaître. Ces démons sont en train de quitter ta vie. Ces démons sont en train de partir. Les démons sont dans les parties. La puissance de Jésus te délivre. Là où tu arrêtais, un miracle se produit dans ta vie. Là où tu arrêtais, un miracle de Jésus se produit dans ta vie. Là où tu arrêtais, un miracle de Jésus se produit dans ta vie. Ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de lâcher ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Whoa!
sœur a vilé un démon, ça dit que sa destinée, ils l'ont vendu un esprit. Elle est comme un sacrifice d'un démon. Elle n'est pas appelée à adorer Dieu. Elle ne doit pas être dans la présence de Dieu. Donc son âme est des personnes comme ça. Mais ça dédié au démon. Et c'est sa vie, c'est. On y pouvait faire. C'est ça que le démon il met du temps. Mais vous, on a voulu en dire. C'est que c'est Dieu qui l'a créé. Oui, elle est une créature de Jésus. Le démon nouveau. Elle est une créature de Jésus. Oh, je dis, nous. Ah, mon Dieu, Dieu. Attends. Mon Dieu, Dieu, c'est moi. Elle est venue avec lui. Alléluia. Elle est venue seule. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Elle n'a pas compris la question. Elle est venue seule. Alléluia. On va faire des textes que elle va faire un jeûne de 7 jours. Seigneur, mon Dieu. Le Dieu, pour l'autre, c'est lui. C'est lui. On a dit ça. On détruit ce démon. C'est lui, c'est lui. On va faire des textes sur qu'on va voir le contact de ses parents. Elle va plus bouger d'ici. On a ouvert un père de Dieu. Je vais passer un jour de 7 jours. Et là, on a dit quoi d'autre? On a déconnecté ce démon. C'est notre démon, comment est-ce que ça? Amen. Les gens sont poursuivis la délivrance. Et là, parce que quand un démon ne sort pas d'un corps, quand vous chassez un démon, la personne ne réveille pas à arriver encore, vous chassez le démon. Le démon peut mettre la personne sous une voiture. Et là, c'est comme un serpent blessé. Et bien là, comme vous voyez, un démon, dès qu'il commence à se manifester dans un corps, chasse-le. Et quand même, on peut aussi. Sinon, s'il n'est pas chassé, il devient un danger pour le corps. Parce qu'il a été réveillé. Mais là, il a ouais, parce que le corps de l'homme est une habitation du Saint-Esprit. Mais le corps, vous le même. Le corps de l'esprit, c'est comme le corps d'un être humain devenu une habitation. Donc quand le démon est dérangé, quand le démon n'est pas chassé. C'est il devient dangereux pour le corps. D'accord. Donc vous l'avez tenu ici pendant 7 jours. Non, il est bon, et puis nous allons la déconnecter. Le jeune. Le jeune brise l'obstacle. Nous les mettons dans un moment de jeûne. Mais on va se délivrer. Ça va. Quand tu es possédé, c'est terrible. Hein? Mais quand ça va. Et quand on dit. Quand même. C'est le collier. Quand il l'a eu comme ça. C'est moi, facile. On est souvent dans le monde pour qu'on ait des problèmes de tout le temps. Oui. Les démons, il faut les chasser. Ils sont très dangereux. Très mauvais. Amen. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Elle n'est pas de sa volonté. Elle est contrôlée par un démon. C'est pas une personne qui vit dans la prostitution. Tes conseils ne pourront rien. Parce que c'est un démon. Elle va pleurer, tu vas parler, elle va pleurer. Mais le démon est là, il est là. C'est mon esprit de la sorcellerie. Non, il ne mange pas. Mais après, il y a un monde de lucidité, de mémoire, qui donne des gens. Mais ils ne sont pas débarrassés de ce démon.